Le grand concours a enfin livré son duo gagnant. Après une suite d'épreuves éliminatoires, l'Institut se dote d'une nouvelle direction qui, manifestement, ne fait pas l'unanimité. Gaëtan est dans la culpabilité vis-à-vis de Noémie et tente de se racheter. Mais ses efforts semblent vains auprès de la jeune femme qui se montre assez indifférente. D'autant que Zachary lui fait ostensiblement des avances. Le trio infernal, la relation entre Antoine et son fils Souleymane connaît de nouvelles difficultés. Malgré les efforts de Rose pour atténuer les tensions, le garçon supporte mal la pression que lui impose son père, ainsi que le manque d'attention de Deva. Tomney n'a pas fini avec les menaces de Kilton et commence sérieusement à paniquer. En le voyant incapable de suivre les cours sereinement, Ambre s'inquiète pour lui. Devra-t-il fermer son compte avant de devenir parano ? Clotilde veut croire qu'un avenir existe encore pour elle et Guillaume. De son côté, ce dernier propose à Laetitia d'enterrer la hache de guerre mais se heurte à une fin de non-recevoir.